Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing avec la boutique DP Club. Donc voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai un partenariat avec eux. Donc là, ça s'est bien passé. Ça a mis une petite quinzaine de jours pour arriver à la maison. 15 jours, non, 15 jours pile. Puisque on a papoté par email le 15 juillet et aujourd'hui on est le 30 juillet. Et voilà, j'ai reçu mon paquet. Donc, aucun souci particulier. Tout a été très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter du DP et de la broderie. Voilà. Alors, je vais faire attendre ceux qui aiment le DP. Je vais vous faire languir. Je commence par la broderie. Alors, j'ai deux kits, mais c'est deux petits kits. C'est deux petites toiles. J'ai pas voulu en prendre des grandes là cette fois-ci. J'ai pris deux petites. La première, allez, je vous montre la première. C'est la plus petite, avec des petits osios. Voilà, des petits oiseaux comme ça, tout simple, tout rigolo. Alors, c'est un Joy Sunday. Donc ça, vu le paquet, vous l'auriez deviné, hein, je pense. Alors, comme d'habitude. Ah oui, il est tout petit. Oh, il est petit, petit. Oh, il va aller vite à faire celui-là. Comme d'habitude, vous avez toutes les explications derrière le sachet, en bas, les différents points que vous pourriez rencontrer sur votre broderie, donc la croix, la demi-croix, comment, le point arrière, le point nœud et aussi, comment il s'appelle celui-là? Le quart de croix, le trois quarts de croix, voilà. Donc, dans mon kit, tout petit petit mignon. Oh, il va aller. Ouais, non, il va aller vite. Moi, j'ai bien envie de commencer très vite. Pendant que je fais mon cheval. Vous savez, entre deux. Le cheval et ma très grande broderie, mon HAED. Alors lui, je fais de temps en temps. Donc, je crois que dans 5 ans, je serai encore dessus. Mais bon, c'est un 14 CT, donc il va se broder en deux fils. Il fait 25 cm sur 14. Donc je vous remontre le dessin en dehors du plastique, comme ça on voit mieux. Voilà. J'ai avec la feuille de route, donc la grille. Comme ceci, la grille papier. Voilà. Vous avez sur la grille papier, alors on vous dit que vous avez du point de croix à faire, ce qui est tout à fait normal, et du backstitch. Donc le backstitch, c'est le point arrière. Voilà. Donc vous avez toutes vos références DMC ici, là tous les symboles et les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc il y a 20 couleurs. Je rappelle, je récapépète à chaque fois sur chaque vidéo où je montre de la broderie. Les symboles que vous avez ici, voilà, ici au milieu, correspondent à la grille papier. Hein? Ça correspond à la grille papier. Donc, pas se tromper. Enfin, c'est pas se tromper. Je veux dire que les symboles qui sont là, sur la toile ne sont pas les mêmes. Les références sont les mêmes, mais les symboles ne sont pas pareils. Voilà. Alors, je vous montre la grille en dernier. Voilà le fil. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais parce que la grille est toute petite. Voilà. Les couleurs. Donc on a une aiguillée de chaque là, hein, avec trois fils par aiguillée, bien sûr. Donc ce qui fait par aiguillée, je peux broder trois fois. Voilà, je fais trois grandes aiguillées dedans.
J'ai mes deux aiguilles, comme toujours, dans le petit sachet. Hop. Et la grille, ta-da-da, toute petite. Ça change hein, de quand je vous en montre des immenses. Voilà, la grille qui est surfilée de chaque côté, donc votre toile ne va pas s'effilocher. Et donc voilà la grille. Donc on n'a que les osios à broder. Ici, donc vous allez retrouver vos symboles, pardon. Vos symboles pour faire les croix. Et ici, c'est le backstitch. Donc c'est pour faire vos points arrière. Voilà. Donc, vous avez dedans la référence DMC, et puis les numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis le symbole, voilà. Donc là, elle est toute petite, mais ça, je pense que ça va être tout mignon. Voilà. C'est un truc qui va aller assez vite à faire. Hein, j'aime bien, j'aimais bien. Je savais que c'était petit, mais c'était pas grave. Ça fait une petite récréation entre deux. Donc voilà pour le premier kit. Hop, je vais remballer tout de suite dans sa pochette. Alors, celui-là, comment il s'appelait celui-là? J'avais marqué oiseau, mais je ne sais plus le titre exact. Mais bon, de toute façon, je vous remets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ce kit et les articles également que je vais vous montrer par la suite. Et je vous mets aussi le lien de la boutique. Voilà. Je ne sais plus si j'ai d'autres choses à vous mettre, mais s'il y a d'autres renseignements, d'autres informations à vous mettre, je vous les rajoute également. Le deuxième kit est un petit peu plus grand. Voilà. C'est celui-ci. Alors, je sais qu'ils ont un nom, ces petits personnages. Mais j'ai oublié. Alors, j'ai une copine de Facebook qui adore faire ces petits personnages. Céline, si tu passes par là, dis, ou si quelqu'un d'autre le sait, me redonner le nom de ces petits personnages. Je l'ai oublié. Alors, c'est un 14CT encore. Le titre, c'est Notre amour. Ah ben, l'autre, c'était Les trois oiseaux. Voilà, tout simplement. Alors, je vous le remonte sans le plastique pour que vous voyez bien. J'aime bien aussi cela, par exemple, pour les enfants. Bon, déjà, les enfants, pas les tout petits, mais déjà un petit peu plus, je sais pas, moi, vers 8 ans, 8-10 ans. Broder ces petites choses, c'est tout mignon pour eux. Alors, on a avec la feuille de route, donc voilà. Donc, d'un côté, vous avez le dessin. Vous avez également toutes les références DMC avec les symboles. Vous allez faire du point de croix dessus et du backstitch aussi. Donc, il y a un petit peu de point arrière. Voilà. Et donc, voilà. Je cherche les points arrière où ils sont. Oh oui, il n'y a pas grand-chose. Ah, si, quand même, dans les cheveux. Ah, bah si. Partout. Il y a du point arrière partout. Ouais, bon. Donc voilà la grille. Bon, elle est que sur une seule feuille, mais là elle est très claire. Hein. Il n'y a pas de problème pour lire les symboles. L'impression est vraiment très bien faite. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, comme d'habitude, j'ai mes deux aiguilles dans le petit sachet. Voilà.
Et j'ai mes couleurs. Alors, oh, les jolies couleurs. Hop, attends. Je me dis à moi-même, attends. Hop, voilà, un petit coup de peigne avec les doigts dans les fils pour bien vous les présenter. Voilà. Donc, voilà les couleurs. Là, il y a un rose très pâle. C'est sûrement pour le visage, celui-là. Ah, oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils avaient oublié de les numéroter. C'est 14. Ouais, c'est ça. C'est pour faire les visages. Allez. Vous voyez, des jolies couleurs, du orange, du rose, un jaune bien pétant. Et ici, on a des couleurs un peu plus pastel. Vous voyez. Mais très jolies. J'aime beaucoup les couleurs. Hop. Voilà. Donc, ce que je vous ai donné la taille, je ne sais plus, mais je vous la redonne. C'est 26 sur 26 cm. Alors, quand je donne les mesures, c'est la mesure de la toile complète, hein, à chaque fois. J'ai oublié de le dire. Là, le dessin en lui-même, il fait 19 sur 19. Voilà. 26 sur 26, c'est la toile complète. C'est le même système que pour le diamond painting. Quand on vous donne des tailles, 99% sur 100, c'est... oui, 4% sur 100, oui, bien sûr. il compte les marges blanches. Voilà. Donc ici, dans la broderie, c'est pareil. Alors, voilà le dessin. La toile, vous voyez, elle est petite, mais j'aime bien. C'est des petits ouvrages aussi qui vont vite, vite à faire. Ça change que d'être sur des très grands, comme moi par moment, enfin surtout en ce moment. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une petite récréation. En 3-4 jours, c'est fait, hein, si on reste dessus. Hein. Même moins, peut-être. Donc, comme pour l'autre, vous avez ici vos symboles avec vos références DMC pour le point de croix et ici pour le backstitch. Donc, le backstitch, je vous rappelle, c'est le point arrière. Donc là, les points arrière ne sont pas imprimés. Donc, vous allez avoir besoin de votre toile papier, de votre feuille de route pour faire vos points arrière. Parce que bon, je vais vous montrer par exemple ici, vous voyez, dans la roue, il y a les rayons de la roue à faire en point arrière. Et voilà la roue, vous voyez, ils ne sont pas imprimés. Donc là, vous allez devoir vous servir de du papier en même temps. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Même pour les oiseaux, vous voyez ici, les oiseaux, hop. Et sur la toile, il n'y a que le petit corps, vous voyez, que les croix qui sont imprimées. Voilà. Donc, il n'y a pas de gros problème. Et après, bon, le point arrière, je vous dis, ils ont fait tout l'entourage des deux personnages, des objets, les mèches, des cheveux, le petit chat. Voilà, il y a du point arrière un peu partout. Vous voyez, c'est les traits qui sont verts, là, que vous voyez. Par exemple, ici, dans le nœud, il y en a, dans les mèches. Vous voyez, là, autour de la robe. Donc, voilà. Ce qui serait bien aussi sur cette grille, quand je vois la robe de la petite fille, vous voyez, avec tous les petits points rouges, au lieu de faire des croix, on pourrait y mettre des perles. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était ma deuxième broderie. Donc
juste des bébés broderies. Mais bon, je vous dis, ça change. Quand vous, si vous, vous n'aimez pas faire des grands trucs, c'est bien, hein, les petites broderies comme ça. C'est vrai que les grands ouvrages, tout le monde n'aime pas. Je comprends. Des fois, je me dis pourquoi je me suis lancée dans mon HED qui fait presque 1 mètre sur, je ne sais, sur 60 ou 70 de large. Ensuite, alors, je vais vous montrer les DP. Donc, il y en a 2. Ah, ça colle sur moi. Le premier, donc c'est un 40-30. Ce sont tous les deux des 40-30. Ce sont des perles rondes. Voilà. J'aime de moins en moins les plastiques transparents sur les DP. Mais nous, on les enlève. Hein. Quand on fait, on les enlève, on met du papier sulfurisé. Comme ça, c'est très bien. Le petit toolkit, comme d'habitude. Et les perles. Alors, elles sont en chapelet, en sachet chapelet. Sachet chapelet. Alors, il y a combien de couleurs? Il y a 25 couleurs. Et j'ai chaud. Pourtant, vous avez vu, j'ai fait un petit ratiboisage. J'en avais marre, monsieur. Donc, hier, quoi faire? J'espère que ça vous plaît. Alors, voilà les couleurs. Du bleu, du rouge, encore du bleu, du cacadois, du vert, du marron, un bordeaux, un beige, du rose, encore du rose, toujours du rose, un bleu ciel, bleu pâle, un petit, là celui-là est un peu plus turquoise. Encore un bleu. Et là, un beige orangé. Il y a du bleu, hein. Et pour terminer, c'est quoi celui-là? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, un noir. Vous voyez, bon, ça va, il n'y a pas énormément. Un violet, encore un rouge, un vert et un autre rouge rosé. Voilà pour les couleurs. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Voilà. Je fais du bruit. Didit, arrête, ça casse les oreilles de tes abonnés. Voilà. Et donc, alors, je fais. Et après, il faut que je remette bien la feuille. J'aime pas quand ça la déplie. Et j'ai pas ma raclette ici. Voilà. Hop, l'autre côté. Je vous montre ça tout de suite. Hein. Mais c'est parce qu'il y avait des plis dans le papier et j'aime pas. Voilà. Alors, si moi je refais des plis. Bon, j'arrive pas celui-là. Ah, je vous dis, j'ai pas ma raclette avec moi, donc c'est pas facile. J'ai pas un truc qui peut me servir de raclette là. Non. Bon, ben, on va laisser comme ça. Hein. On fera mieux
plus tard. Voilà, j'y arrive. Voilà, c'est mieux. Hop. Avec ma règle. Voici le dessin. Alors, c'est un pan. Voilà. Avec un deuxième pan ici. Donc avec des fleurs, un petit paysage dans le fond de montagne avec un petit lac. Donc voilà. Tout mignon. Et je suis contente, j'ai su remettre ma feuille. Alors niveau impression, ben voyez par vous-même. Hein, y a... Hop, attendez. Voilà. Et ça colle très bien. Donc... pas de souci. Je remballerai après. Hors caméra, ça fera moins de bruit. Le deuxième. Alors, le deuxième n'est pas d'actualité tout de suite. Voilà, c'est également un 40-30. Normalement, ce sont des perles rondes. Oui, c'est bien ça. Perles rondes, 40-30 et 24 couleurs. Le petit toolkit. Ah oui, je vais mettre celui-là là. Et nous avons donc des perles rondes, donc pareil, en sachet chapelet. Je fais des exercices de diction aujourd'hui, vous avez remarqué. Et aujourd'hui, alors je ne sais plus, alors, vous avez la vidéo soit samedi ou soit dimanche. Mais vous avez peut-être vu dans la communauté que j'ai marqué qu'aujourd'hui, 30 juillet, c'était l'anniversaire de la chaîne. Voilà, c'est aujourd'hui. Et donc, pour ça, n'oubliez pas, hein, il y a encore le concours hein, pour l'anniversaire de la chaîne, pour vous gagner des DP. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore participé. Alors, voilà les couleurs. Un rouge, un gris... un beige orangé, un vert, encore un beige, plus foncé, marron, bordeaux, encore un autre rouge, un gros paquet de bleu, un plus petit paquet de bleu, du gris très clair, du bleu, du beige, encore un genre de rouge orangé, un vieux rose, encore du bleu en gros paquet, un autre bleu, plus petit, bleu vert celui-là, un beige, un marron, et là un blanc. Ce que je vous ai tout montré, oui, hop, un grand chapelet. Hop. Et, bon, pareil, je vais remettre le plastique, parce que... je veux qu'il soit bien présentable pour vous le montrer. Et au moins, je vois en même temps qu'il n'y a pas de rivière. Alors, comme je vous disais, celui-là n'est pas d'actualité tout de suite, mais on peut le faire maintenant, bien sûr. Pourquoi pas? Voilà. Hop. C'est bien. Parce que c'est un Père Noël. Alors, c'est très, très rare que je prends des Pères Noël. Hein. Vous avez déjà remarqué, c'est très rare que je présente des Pères Noël. Mais bon, voilà.
Donc, un petit Papa Noël. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas d'actualité tout de suite. Mais vous pouvez le faire maintenant, peut-être pour l'offrir à Noël, justement, ou alors pour le mettre en décoration chez vous au moment de Noël. Donc, voilà notre Papa Noël. Avec une bonne bouille. Il a une bonne bouille de Papa Noël. Voilà, ben, j'ai fini de vous présenter les articles que j'avais reçus donc de la boutique DP Club. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous remets en barre d'infos le lien des articles que je vous ai présentés, le lien de la boutique. Et si j'ai d'autres informations à vous mettre, je vous les mettrai également. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quoi dire d'autre? J'ai envie de commencer les petits osios. mais il va aller vite celui-là, donc je ferai peut-être en récréation. Nous, on va se retrouver pour... un, deux, trois. On va se retrouver rapidement pour d'autres vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, des réflexions, toujours gentilles, bien sûr. J'y répondrai avec grand plaisir au plus vite. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve rapidement. Bisous, bisous!